Mesdames et messieurs, approchez. Les parcs naturels régionaux ont voulu montrer qu'il n'y a pas de nature sans culture. Les paysages se sont façonnés grâce finalement à la main ou à cause de la main de l'homme. On a eu quand même pas mal de retours favorables, même via Facebook. Très souvent d'ailleurs, il y a des personnes qui viennent pour le coworking, croisent des gens qui sont en train d'utiliser le Fab Lab, posent des questions, et donc, il y a énormément de partage. À titre d'exemple, on a un ingénieur son qui a croisé un des utilisateurs du studio, et du coup on a réalisé un projet avec eux ensemble. On était extrêmement attachés au fait de pouvoir réinvestir ce patrimoine dans un rapport de faire ensemble, de vivre des moments et de partager des moments de rencontre aussi ensemble. On est très attachés à la qualité de ce que l'on fait, donc on est aussi dans cette recherche de cohérence. Pour nous, les choses sont complètement liées entre cette dimension économique et cette dimension sociale. Le projet est aussi habité par des gens et c'est ça aussi qui a permis de le faire grandir et s'épanouir. Attrapez la main pour que tous ensemble avancions sur le chemin vert de l'éco-citoyenneté.